evening's clouds. We finally seen the back of those gray days. Please let the summer back to stay and hold a sunburn in your hand. Ah, j'aime bien venir me balader le long de ces étangs là. On est à Rospordin et en tant qu'animatrice nature sur le territoire de Concarneau-Cornouailles, c'est un site qu'on fait découvrir à énormément de groupes, à des scolaires, parce que c'est un milieu naturel qui est très très riche, qui est varié. Et puis ce qui est très sympa, c'est qu'au départ de Rospordin, eh ben, il y a cette voie verte. Et puis cette voie verte, eh ben, elle peut nous amener jusqu'à Roscoff si on veut. On a l'impression d'être dans vraiment un écran de verdure et ça c'est vraiment super pour se balader. On poursuit notre balade en suivant la Veyne au fil de l'eau pour se retrouver à Pont-Aven. Et voilà Pont-Aven. Les moulins, en fait, ils sont partout dans le paysage de Pont-Aven. Et ils ont inspiré énormément d'artistes, comme Gauguin qui a peint le moulin neuf qui est juste derrière moi. Et puis cette Aven avec tous ces paysages magnifiques, on va la suivre un petit peu pour traverser la ville. Alors voici la deuxième face de la Veyne maritime, qui vit au rythme des marées. Et nous allons embarquer tout de suite. On arrive à l'embouchure de la Veyne avec devant nous là, le port de Port-Manec. C'est vraiment un super terrain de jeu pour les activités nautiques parce que c'est relativement abrité. Et puis, ben, par des belles journées comme aujourd'hui, on peut même aller rejoindre l'île de Groix qu'on voit sur la ligne d'horizon. Là, on a un plan d'eau qui est magnifique. Nous quittons Port-Manec avec son joli phare en empruntant le sentier des douaniers, ce GR34 qui va nous mener jusqu'à Concarneau. Ce qui est très très sympa sur la commune de Névé, c'est qu'il y a plein de petites boucles qui nous amènent dans des très très beaux villages du 16e siècle. Kerkani, Kerasquette. Voici sur le site des dunes étangs de Trévignon, ce sont des terrains du conservatoire du littoral, 300 hectares. On a un cordon dunaire et puis des étangs avec énormément d'oiseaux, de batraciens. Donc un milieu, moi j'y travaille très souvent et que j'adore faire découvrir. Et voilà, notre balade s'achève à Concarneau. Alors Concarneau est une ville d'art et d'histoire avec son patrimoine très riche comme la ville close. Et puis ce qui est très chouette à Concarneau, c'est qu'on a un port dans une ville et la ville dans le port. Donc on côtoie le milieu de la pêche et puis le milieu de la plaisance. C'est vraiment une ville tournée vers la mer, et ça c'est super.